Le commissariat était le dernier point important à la limite de la ville. On n'avait pas besoin de la carte pour savoir que les civils s'étaient réfugiés en masse dans les commissariats, les casernes ou n'importe quel endroit où ils pensaient être à l'abri des extraterrestres. Beaucoup de gens étaient morts dans ce genre de lieu, et je n'avais pas très envie de tomber sur un massacre. Mais bon, on avait besoin de savoir. En approchant, on a tout de suite vu que les extraterrestres s'étaient déjà installés dans le commissariat. Entre les forces d'Advent et les autres adversaires habituels, l'endroit grouillait d'ennemis. Ceux qui avaient tenté de se cacher à l'intérieur s'étaient bien battus. Il y avait des traces de plasma encore fumantes à notre arrivée. Yay. La prochaine map, c'est une des plus dures du DLC, je trouve. On va s'amuser. Ouais, on a une médaille de bronze. Il y a que vraiment la première mission où on a merdé. Hein. C'est vraiment la première mission où on a complètement merdé. Alors. Ah, mais je me rappelle. Ça aussi, elle était dans le 1. Elle était pas dans le DLC du 1 même ? I'm trusting you here. Ils s'appelaient comment les gens du 1 là, les gens les humains moitié aliens, je me rappelle plus. C'était pas Advent. Oh, elle a l'aura elle. Les Advent ici. Eh merde. Exact. Pam 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 pam. Ok. Là on ne peut pas ne pas faire péter ça parce qu'il y a les trois à côté. Tu te fous de moi, on va... Évidemment, on va faire tout péter là. Alors fais voir un peu ce qu'on a. En train d'hésiter en fait sur quoi faire. On va voir ce que ça fait. Ok, c'est pas mal. Ah, est-ce que ça peut pas se... aller sur d'autres personnes, je crois, non? Je vais refaire un effet. Hein. Alors l'autre, ce qu'il va faire sûrement, c'est buffer son équipe. Donc eux, lui, on s'en fout en fait. Celui-là en arrière. Pourquoi tu peux pas te mettre là? T'es sérieux? Les armes. Ah.
raciste. C'est stylé, César. Il y a que le Volt du Templier. Ah bon? Il y a pas une augmentation pour ça? Bon. Pam pam. Alors Bradford. Là tu vas être exposé, Bradford. Qui en veut un peu? Foup. Tada. Ouh, cette jolie couleur. Action gratuite. Oh yes. Ce qui est marrant, c'est que je pourrais faire du grappin. Est-ce qu'on pourrait... Non, faut pas exagérer non plus. Non, on pourrait pas l'avoir. Je reste vigilant. Affirmative, covering now. Vale, voy. Ouais, on va voir ce que fait l'autre. Est-ce qu'il va bouger vers nous ou alors il va se buffer tout seul? Bah, où sont mes copains? Pourquoi t'as pas tiré à côté? C'est bizarre ça. Harry Clark, non! Ils veulent battre en retraite. Ah. Ouh, c'était beau. On dirait que ça l'a fauché, hein. C'était beau. À notre arrivée, le commissariat était envahi par les troupes d'Advent, et ils ne faisaient pas de prisonniers. En voyant dans quel état ils avaient mis l'endroit, et sachant qu'il y avait des gens à l'intérieur... Faut que je fasse un peu plus... On était non seulement furieux, mais encore plus déterminés. Je fasse un peu plus attention quand il y a des cinématiques de voir où ils sont, parce qu'à chaque fois je sais plus. Ils étaient où là? Bon, on va utiliser un détecteur, je pense. En plus, on va voir s'il y aura des monstres ou pas aussi. Wow, il y a du monde. Oh, maman, il y a trop de barres rouges. C'était peut-être une connerie. Non, ça va, un seul. Il y a deux pods. Attends, il y a deux pods avec un monstre, c'est ça? Advent. Ça, c'est un civil. Ça, c'est encore un Advent. Ça, c'est un civil. Oh la vache. Entendre... Ah, il y a écrit quoi dessus? QA tested. Chain approved. C'est énorme. J'avais pas vu ça. En temps normal, là, j'aurais tout fait péter, en fait. Genre, j'aurais balancé des requêtes et tout ça, mais on a quand même du... On a peu de matériel, donc on va y aller plus doucement. On va les faire venir, parce que là, ça va être horrible, sinon... je voudrais bien placer le sniper pour qu'il utilise sa zone mortelle. Je me remets au boulot. Ah.
Genre avec ça là. Avec le fusil perforant ou le canon perforant, mais ça serait énorme là. Tu t'arraches tout, t'arraches la map avec Advent en même temps. Ça serait énorme. On va y aller doucement. Explorando. Quick. Todo cubierto. Faudrait qu'il bouge, mais il y a beaucoup de gens en fait autour, donc ça m'étonnerait qu'il bouge. Ah. Bon, on va pouvoir les poules. La police ne pouvait pas mener non, attends, une guerre, ils sont là. Et encore moins repousser une invasion extraterrestre. Ouais, on teste un truc. Entendons-nous bien. Beaucoup ont essayé, mais la plupart n'ont pas vécu assez longtemps. Ah merde! Ah putain! Mais cette fois, la situation était un peu différente. Le nombre de cadavres ennemis sur place était tout à fait inhabituel. Quick! Je voulais arracher l'immeuble. Oh chier. Ouais, ça va pas assez loin ça. Bon, on va se placer, on va se placer. C'est quoi parce qu'on a des grappins mais on peut pas aller vraiment sur les toits, vraiment. Donc au final... Là on a défoncé la petite tour, y a même pas de toit. Non, y a plus qu'un mur, donc bon. Ça marche pas. On pourrait faire un coup de requête là. Ça pourrait être intéressant un coup de requête. Est-ce qu'il y en a des gens pour bouger? On a un peu la zone mortelle. On teste. On va tester. On va faire un... On va faire une petite stratégie. Ça, c'est la roquette magique. Ça, ils activent pas. Ils sont tous morts. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont tous morts. Oups. Ok. Désolé. Désolé. Je passe en vigilance. Ah, l'explosion du lance-flamme. Ok. Il est où, lui? Attends, il est où? Ah, il est à droite, ok. Ouh, il y a des lobos. Piou, piou, piou. D'après ce que je pouvais voir, quelqu'un s'en était donné à cœur joie avec des grenades à plasma. Difficile de dire quel camp était responsable. C'est énorme, mais l'endroit était totalement ravagé. Et tous ceux qui s'étaient battus ici avaient dû le payer très cher. Alors là, on va avoir un problème. On a deux pods. On a un pod sur la gauche et sur la droite. On a un pod là et un pod derrière. Bon, celui-là derrière, j'ai pas l'impression qu'il va avancer. Mais faudrait sauver des gens, en fait. C'est ça le problème. Pas une tour quelque part.
Ya podemos seguir. On a 3 mecs là. Un mec sur le toit, 4, 5. Je pense que le pote de l'arrière, celui-là qui est parti, en fait, va revenir. Donc on va attendre. Voir si on peut pas s'avancer un tout petit peu. Oh. Oh, pas drôle. Pas de panique, pas de panique. Tout va bien, tout va bien. On fait un peu de géométrie, hein. Un peu de géométrie. Ah, si je me mets là, je le serai en plein devant. Ça serait cool. Il manque un carré. Il manque un carré. Si je me mets sur le côté droit. Non. Là. Là, ça va pas toucher. Là, on va faire un cône comme ça. On va. Ah, peut-être. Non. Non, toi t'as plus qu'une action. Bon, déjà on fait ça. Après il y a toujours la stase qu'on peut faire. Il y a toujours la stase. Mais je préférais encore faire des dégâts à la place. Neuf. Six. On va faire ça, je pense. Rip 'em to shreds. Ils nous ont pas vus. Là-bas. On a la balise là. Huit à dix. Il est joli ce truc. Il est super joli. Super joli. Où est-ce qu'on va te mettre ?
Je sais pas si je suis en train de faire une connerie ou pas, mais si on peut le mettre en hauteur. Oh merde. Oh, catastrophe. Oh la vache. C'était con de mettre la balise là, hein. Là, c'était con. Qu'est-ce qu'il fait? Au moins, ils sont côte à côte. Ils auraient pu continuer à fuir. Ils n'avaient pas à s'arrêter là. Rien ne les obligeait à se battre. Mais pour une raison inconnue, je suppose qu'ils en ont eu assez. Ils savaient quel destin les attendait, et ils ont choisi de l'affronter en le regardant droit dans les yeux. Ah oui, le sectoïde explose quand il meurt. Par contre, on n'a pas de vue, les ennemis disparaissent de notre vue, ça c'est un peu chiant. On a du one shot. Ok, on a du one shot. Le secteur est un gros rageux, quand il loupe son tir, il utilise son méga canon qui sert à... C'est vrai que ce canon il sert un peu à rien. Après, un truc qui pourrait vraiment nous aider, c'est prendre contrôle d'un mec, mais c'est rare. C'est quasiment... Enfin, on peut pas vraiment compter dessus. Alors là, tu vas plus voir grand monde. Là, du coup, t'es vachement exposé en fait, Bradford, si tu te mets là. Y'a pas notre endroit? Non. Brady, voyons. Quand même beaucoup, hein. Je prends du temps, hein, parce que...
Le problème, c'est qu'on a du flash, mais le flash va pas marcher sur les robots, ce qui rend la chose un peu chiante. Et tout ce qui est ensemble, en fait, ce sont les organiques. Du coup, bah, la flash marcherait bien dessus. Donc c'est un peu chiant. T'as toujours ton répéteur, toi? Répéteur supérieur. Ah, faudrait l'avancer. If you say so. Supongo que está bien. Ya puedes irte. Muévete. Et c'est là que c'est un monstre. Ça, c'est drôle. Elle a le mélange explosif. Okay, c'est bien ça. Juste un petit dégât. On est bon. On va stase le secto. Et on est bon. Ça marche ou pas? Si, ça... ouais, ça marche. Eh ben, ça, j'appelle ça des casse-têtes de XCOM en fait. Ah mais il y en avait deux de. Oh, je sais plus. Oh la vache. Aïe aïe aïe. Ça c'est pas mal. Ah lui il va buff tout le monde, il va falloir le tuer. Guerrier sacré c'est quoi ça? C'est quoi ça? Si des civils avaient eu assez de cran pour s'opposer à Advent, tout en sachant qu'ils y laisseraient la vie,
Qu'est-ce que l'histoire aurait dit de nous si on avait fait demi-tour? Il était hors de question qu'on quitte cet endroit tant que les extraterrestres n'auraient pas payé pour ce qu'ils avaient fait. Le prêtre fusionne son esprit avec celui d'une autre unité pour faire profiter celle-ci du bonus statistique. Si le prêtre est tué lors de la fusion, l'unité fusionnée perd son bonus et meurt. Ah. Cool. Ça y était dans le vanilla, ça ? Jamais vu faire ça, les mecs. La plupart du temps, ils font leur bouclier, basta. Par contre, lui, j'aurais bien voulu le faire exploser, en fait. Parce que, est-ce qu'il va exploser si je tue le prêtre ? Est-ce que lui va exploser ? Parce que ça, ça serait bien, en fait. Mais bon. Je dirais non. Il tire sur qui, là ? Sur lui ? Non, il va juste crever. Okay. Ah, moi je les vois toujours utiliser leur bulle et basta. J'ai jamais vu autre chose. Ah non, mais c'est lui qui visait. Enfin, c'est elle plutôt. Pardon. C'est qui tire? C'est lui. Okay. Ouais, j'allais demander si on met une flash au prêtre, est-ce que ça tue aussi l'autre cible ou ça coupe seulement le lien? Du coup, ça doit sûrement couper le lien, c'est tout. Ok, maintenant il faut s'occuper du sectopode. Bon, ce qui fait chier, c'est que eux ils ont des lance-grenades. Et ça casse un peu les noix. 7 à 9, c'est pas mal. On va les disperser. Ça coupe le lien. Sinon, ça serait trop fort. On est extrêmement collés les uns aux autres, c'est vraiment pas bon pour l'autre, les deux autres, un peu loin. Mais bon. On va en tuer un normalement. Si ça passe bien, on peut tuer les deux là, mais ça m'étonnerait. Avec Bradford. Évidemment. Évidemment.
me ferai un chemin. Je fonce. Avec de la chance, ils vont attaquer Bradford et c'est tout. Ah non, 8. Ouais, il fallait vraiment un critique. Non, on a bien fait. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'ils ont eu peur. Où est-ce qu'il va? Ah, énorme. Bien plus tard, ce qui rend la situation encore plus triste, mais la plupart de ces extraterrestres n'étaient que des pions manipulés par les anciens. Attention, je n'ai pas de regrets non plus. Mais vous pensez vraiment que les anciens tenaient le compte des créatures qu'on abattait? Ouais, il a fui vers nous, c'était marrant. Je me suis dit, vu qu'il fuit vers nous, il va peut-être nous tirer dessus. Apparemment, non. On a repris notre route sans perdre un instant. Il ne restait plus rien à sauver de cette ville. Eh ben, bon, c'est parfait. Ah. Personne n'était d'humeur à rester là pour fouiller, mais on a pris tout ce qu'on a pu en ressortant. Je l'ai le perfect, merci. Alors on peut passer au niveau 3 des augmentations, ou alors on prend les meilleures armures. Les deux seraient cool. On va prendre les armures par défaut. Ah, j'espère que le prochain niveau, ils nous demanderont si on veut les combats supérieurs ou pas. On va prendre les armes. Alors. Les géants sans faille, intouchables. Main sûre, que cool. Ah, puits de balles, ça c'est bien, ça va vraiment nous aider. On a le lanceur nucléaire, oh cool. Les canons perforants, c'est cool. Mèche, ça c'est bien aussi. La situation s'est un peu décantée quand on s'est éloigné de la ville. On a filé droit vers la ferme, en espérant pouvoir s'y reposer quelques heures. On savait que les extraterrestres ne tarderaient pas à nous retrouver. On avait semé la destruction dans notre sillage et ils suivaient sa direction. J'espérais juste qu'on arriverait à souffler avant l'arrivée de la prochaine vague de renforts. On est arrivé près d'une belle propriété, avec sa grange rouge et tout le reste. Ça me rappelait un peu la ferme familiale au Kansas. Mais c'est une autre histoire. Et malheureusement, celle-ci s'est terminée dans un nouvel affrontement. En y repensant, on aurait dû éviter un lieu aussi visible. Mais on était tous tellement fatigués qu'on ne réfléchissait plus vraiment. Yeah. Yeah, yeah, yeah. On peut passer à travers les murs aussi. Ouais. Cool. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment utilisé. Très très rare. Prototype de fusil plasmique. Okay. Ils sont vraiment cool les armes. C'est la ferme. Ah oui, putain, ça tue. C'est vraiment sympa le DLC, comment ils l'ont fait. Bon, cette fois on va essayer de pas faire la même connerie à chaque fois, c'est-à-dire de se faire voir dès le début. On va déjà se placer genre très proches les uns des autres. Affirmative, moving out. Ben y verás. Overwatch. Toutes les maps au final c'est du premier XCOM, je crois bien. La ferme m'a rappelé tout un tas de souvenirs. On aurait aimé trouver un coin tranquille pour se reposer un peu, mais on avait donné un coup de pied dans la fourmilière. Et ils n'avaient pas l'intention de nous laisser souffler en repensant au bon vieux temps. Pour mettre les nouvelles musiques, c'est comment? Il faut faire une campagne, non? Il faut lancer une campagne. Ok, par là-bas. Et il y en a sûrement dans la grange.
Simplement dans les options. Oh. On peut voir ça. Ah, elles sont cool. On va déjà voir la grange. Ouh, elle est grande. Supongo que está bien. I'm trusting you here. Vale, voy. Je force. On va se mettre sur la tour avec elle après. Guardia, poniendo en guardia. Aha. Pas volonté. Le bruit que ça fait, oh mon dieu. C'est parti. Du coup, on a tué quelqu'un ou pas? Ou pas du tout? Les Andromèdes nous ont surpris. Non. On ne savait pas quoi penser de leur armure. Surtout quand elles continuaient à se battre alors que le cadavre de la créature qui les pilotait avait été projeté à l'extérieur. On a tué quelqu'un? On a fait des dégâts. Et je vois personne avec des dégâts. Comment ça marche le missile? Ah oui, d'accord. Okay. Alors. 12-8. Qu'est-ce qu'on a là? On est à 8-9. 8-11, pardon. Ils sont un peu dispersés, c'est chiant. De balles pour mettre la visée. Il a la visée holo. Ah ouais, bien, bien. J'essaie de trouver un moyen pour tuer le plus possible en une fois. Je pense pas qu'on puisse tuer le codex en une fois, à moins que. Que ça soit lui, que ça soit Bradford qui. On pourrait lancer Bradford.
On pourrait lancer Bradford. Si toi tu me fais pas de conneries, ça passe. Ok. Enemy eliminated. En plus ça peut dodge, exact. Allez Brady, c'est l'heure. C'est l'heure. On va le faire en deux fois. On va pas utiliser course et tir. On va le faire en deux fois. Normalement, il doit avoir assez de déplacement. La musique est beaucoup plus rock, j'aime bien. Voilà. Comme ça, on gardera course et tir. Ok, 8 et 10, on a 92% de critique, ça va. Allez, Brad! Voilà! Très bien. Ok, maintenant on a cette abomination. On peut toujours la stase. Sauf si le répéteur marche. Faut pas exagérer non plus. On va staser Big Daddy. Aïe 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 aïe. Ça va. Attends, mais il est déjà détruit? Oh, il est déjà détruit. C'est ce qu'on a détruit en fait, c'est ce qu'on a tué au premier tour. Que j'espérais éviter des dommages collatéraux. Donc du coup, il peut plus tirer. Peut-être pas plus mal que la ferme ait été abandonnée par ses propriétaires. Il ne restait plus grand-chose de la grange après le combat. Ça va. Cela explique ceci. Monsieur holographique. Madame même. Adieu. This weapon was sold in my hands.
Empieza la fiesta. Fiesta. Preparada. Bowie. Move, move, move. Ça s'est super bien passé. Poniéndome en guardia. Todo cubierto. Je ne sais toujours pas vraiment ce que les extraterrestres ont pu faire des dizaines de millions de bovins et autres animaux qui peuplaient le pays lorsqu'ils ont décidé que l'élevage était une technologie trop dangereuse pour être laissée entre les mains des humains. Là, donc. Tout ce que je sais, c'est que ça a un rapport avec ces saletés de burgers d'Advent. Je me fais trop vieux pour ça! Merde, 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 merde! C'est reparti! Clenada! J'arrive pas à placer la zone mortelle du sniper. Ça aurait été bien de pouvoir la placer. En théorie, tu mets Bradford devant, tout le monde meurt, mais bon. Ah, mais Bradford, on l'a utilisé. Ok. J'avais pas pensé à ça. On va faire une aspiration avec l'autre. Sorry, we got orders. Negative damage. Tu viens d'allumer la voiture derrière. C'est pas très intéressant. Ça. Punition céleste. On pourrait la mettre là, non? Ah, ah, on va l'avancer. Maintenant que les extraterrestres étaient directement à nos trousses, je m'inquiétais de savoir ce qui nous attendait au bout du parcours. On aurait pu s'arrêter et partir chacun de notre côté. Mais je refusais de faire une croix sur ce qu'on avait construit ensemble. Reload time. Vale, voy. I guess that'll be okay. ¿Qué hay ahí? Todo cubierto. Moving to Overwatch. Même après 20 ans, on n'a pas encore réussi à reprendre suffisamment de la planète pour recommencer à exploiter la Terre. Je me demande parfois si ça ne faisait pas partie du plan des anciens. Nous rendre dépendants de leur système et attendre patiemment. Les générations futures ne sauront jamais comment survivre en dehors des centres urbains. Putain, c'est super exposé là par contre. On va faire ça. On y va! Merde! Throw in the hook!
Hello. Ok, on est un peu limité en matériel, on va y aller doucement. On a une grenade toxique, ça sert un peu à rien la grenade toxique. Enfin, sur elle surtout, parce que c'est loin. Donc on va peut-être l'utiliser pour les affaiblir tous. Ou alors... Voilà, jouer safe. Voilà. Elle est énervée, elle. This may be painful. Check it before you get too close. Et marcha. On va devoir un peu faire passer quelques tours, juste pour être sûr avec les... Si. Les recharges des habilités, je pense. Aïe, boy. Je passe en Got vigilance. Affirmativo. Cubriendo. On va faire avancer le reste de la bande. On the move. Pas super fan de ce côté là en fait. Hey, Martha. Après on va mettre un détecteur. Scan en cours. I'm on it. Aye, yo boy. En guardia. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette maison-là. Et apparemment, c'est tout. Donc, il y a du monde dans la maison. C'est sûr. Ah, c'est tout fermé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces trucs? Ok. On va les faire sortir. Ok. Thank you.
what's over there? Supongo que está bien. I'm trusting you here. On va les faire venir parce que j'aime pas trop l'endroit où on est. Affirmativo. Courriendo. On overwatch. En guardia. Oui, on a la salve. Oh, ils vont venir, bah tiens. Enfin, quoique, est-ce qu'ils vont nous voir? Ce que je voulais faire, en fait, c'était de mettre la zone mortelle du sniper, envoyer le missile. Comme ça, elle peut tirer sur tout le monde, en fait, qui bouge. Bon, bah du coup, on le fera pas. Waouh, les dégâts. Bah, ça fait déjà un gros sac de PV mort, c'est bien. Un très gros sac de PV mort. C'est bon ça. Pas grave, pas grave. Y'a pas de problème. C'est qui a salve? C'est marrant, ce truc. Ouais, va là-bas. Ça doit être les derniers, je pense. Ça doit être les derniers. Parce que j'ai mon sniper qui est quand même exposé. J'ai un peu peur que ça foute la merde. Voilà. Bye bye. Ah, c'est fini. Ah, c'était cool. On a réussi à quitter la ferme, malgré les efforts des extraterrestres. Explorando. On a trouvé des armes étranges à la ferme, différentes de celles qu'utilisait Advent, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Ok, l'histoire c'est n'importe quoi. D'accord, on n'est pas censé avoir ça, mais bon, d'accord, ça marche. Le katana ou l'arachi, j'aime beaucoup, moi. Le katana, meilleur choix, vu que Bradford a Blade Storm. Blade Storm, c'est l'AOE, hein, c'est ça. C'est l'AOE mêlée, le coup de katana, ça touche tout le monde, non? Ou c'est quand il arrive, quand les gens arrivent sur lui. La musique est cool.
Enfin, moi je serais plutôt pour l'arachide. Moi je serais plutôt pour contre-attaque, mais ça... ça loupe jamais et tu peux pas dodge. Ah. Ok. Allez, on va jouer avec ça. On a eu faucheur. Génération, c'est cool, assassin, c'est sympa. C'est quoi rupture déjà? Sur cette place. Le barrage devait servir de point de ralliement ou de rendez-vous aux extraterrestres, parce que ce n'était pas une patrouille ni les trucs là. D'Advent. Il nous avait préparé quelque chose de spécial, et c'était vraiment du sérieux. Si j'avais eu un peu d'instinct de conservation, j'aurais peut-être eu peur de perdre cette bataille, mais j'ai fait bonne figure devant les autres. Ce n'était pas le moment de flancher. Les extraterrestres protégeaient les lieux comme si le site était sacré. Sans personne à sauver ni matériel à récupérer, on ne venait que pour le combat. Et c'est ce qu'on a trouvé. On était tous d'accord. Au diable, les extraterrestres. Si le barrage avait de l'importance pour eux, on allait les en priver, et définitivement. Rupture, tu cr... Ah oui, tu crites et les ennemis... ils prennent de plus en plus de dégâts, exact. Merci. Elle est jolie, là. Wow. Je trouve ça joli. Moi qui trouve, trouve XCOM joli maintenant, c'est marrant. Une des plus belles maps. Ouais, je crois aussi, je pense aussi, ouais. Par contre, elle va être extrêmement chiante. Il n'y a pas vraiment d'endroit en fait pour se cacher, etc. Alors... Supongo que está bien. What's over there? Si tú lo dices. Rolling. On y va doucement. Affirmative. On trouvait la psy. Oui, la française, c'est ça? C'est elle, hein? Je sais plus comment elle s'appelait. Autrefois, le barrage fournissait de l'électricité à la ville et à toute la région alentour. D'après ce que je pouvais voir, les extraterrestres s'en servaient maintenant pour alimenter une sorte de portail. Le meilleur, ça reste quand même le chinois, là. Je l'aimais bien, là. Zhang, je crois. Supongo que está bien. C'est un bordel ce barrage. Tellement de trucs. Poniéndome en guardia. Covering now. ¿Quién hace ese ruido? On avait récupéré quelques améliorations en cours de route, mais les extraterrestres ne voulaient pas nous laisser l'avantage technologique. Ils voulaient nous achever, et ils avaient apporté les armes pour le faire. Merde. Mentalement, de façon permanente, une seule. La boule, ça serait bien de la voir, mais la boule, elle est 68%.
C'est risqué. Tu vas croiser du lourd, ouais, j'imagine. Ouais. Ah, on va tester. Allez, on est là pour jouer. C'est bon? Yes, c'est bon? Yeah! Yeah, 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 yeah! On a la bouboule! La bouboule! Ah là 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 là. On a la bouboule? On va essayer de pas abîmer notre bouboule. Dix à onze. Mélange explosif. Tu as sa tuturation avec la crosse. Ah, ça peut être pas mal. T'as pas tir. On peut pas tirer deux fois au flingue. Ça m'aiderait ça en fait. On fait assassin. On va utiliser les habilités et on laissera passer les tours. Attends, attends, attends. C'est là tu es en train de me bugger mon interface, merci. Eh merde. Negative damage. Après on a encore Bradford. On le garde pour la fin. Coupe, coupe. Est-ce qu'il a... Ouais, on peut pas pouvoir bouger. Parfait. Tada. Eh merde. Non, un av... Non, pas un avatar. Ok.
Chier. En plus c'est à leur tour, merde. Oh le foutage de gueule. Oh non. Pas grave, on a une flash. Intouchable. On prend pour cible. On a un deuxième, merde. Ah, il va tirer sûrement lui. Tu as osé toucher ma boule. J'ai passé tellement de temps à essayer d'oublier cette époque que certains détails sont devenus un peu flous. Quand j'y repense aujourd'hui, je suis presque certain que ce qu'on a rencontré alors était une sorte d'avatar. Est-ce que tu brûles en fait ces cheveux? Non. Vous pouvez me croire sur parole. On n'a pas récupéré l'advent. Il est immunisé contre. Ok, ça va faire chier. Ok, on va le staser alors. Alors, une faille psionique dévastatrique dans une zone, les ennemis manuels tués peuvent être réanimés en zombies. Ouais, ça je m'en rappelle. Et un gardien peut drainer la vie d'une unité à proximité pour se soigner un fils de sérieux dégâts. Si elle est tuée par son attaque, elle peut être réanimée en zombie psionique. Okay. Ça marche pas sur l'attaque. Okay. Ah oui, non, mais là, niveau histoire, là on est plus là. Hein. C'est un peu... C'est juste pour nous mettre de la difficulté en fait, j'ai l'impression. Parce qu'on n'est pas censé en voir. On n'est pas censé en voir du tout. Ah, lui aussi, il a ça. Je me rappelle plus. On va faire une attaque psionique après avec la boule en plein milieu. Ouais, on va devoir staser le l'XCOM. Est-ce que je peux toucher tout le monde ou pas? Non, ok. On va en avoir 3. Faudrait qu'on baisse la vie de Big Daddy là. Pourquoi je dis ça moi?
que la zone mortelle pourrait nous aider ou pas? Non, elle a pas assez de balles. Ils auraient dû lui mettre un gros chargeur en fait, au lieu d'un auto-chargeur. Genre un chargeur supplémentaire niveau 3. Ou alors on lui tire dessus et il va peut-être se téléporter vers nous. Oh, attends. Voilà. Merde. C'est pas téléporté à l'endroit où je voulais. On va avoir un zombie, non? Ou ça fait pas de zombie, ça? Ah, peut-être pas, en fait. Non. Donc, Staz. Staz pour notre pote. My mind is my shield. Oh! Je peux jouer encore, j'ai pas fait gaffe. Ça prend une action, 5. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc de mieux? Ça. Ah. Merde. Shot wide. Ça va, t'es marrant. Non, on peut pas, aller. Oh putain, il est derrière nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouch. C'est un peu la merde. On n'y a pas réfléchi tout de suite, mais combattre au sommet de ce barrage n'était sûrement pas une bonne idée. Un espace restreint, des tas de choses qui pouvaient nous exploser à la figure, et les extraterrestres les plus coriaces qu'on ait rencontrés au cours de notre expédition. Ok, on va peut-être déclencher le tir. Avec lui. On va peut-être déclencher le tir de vigilance avec lui. Ah, attendez, attendez. On protège notre boule, c'est important. On protège notre boule.
Ah, 0-0. Ah, c'est temps de drain. Ouais, je vais voir si on peut drain ça. Je sais pas si on peut le drain en fait. Non, on peut pas. Il faut des. Il faut du. De cette cible machin. On va tirer alors, pas grave. Ok, on a 70, 60. Waouh! Là, les dégâts ils sont super élevés en fait. Ah merde. Si Bradford le tue, il va avoir. Il va pouvoir esquiver une attaque. Donc on va faire ça. On va se mettre là. Ah, j'étais pas assez prêt pour drain. Ah. Pour drain, j'étais pas assez prêt, merde. It's killing time. 70%, est-ce que ça vaut le coup de mettre un 70%? Ou alors on fait une grenade. Hmm. Ouais, peut-être mieux ça. Comme ça on lui enlève sa protection là aussi. Voilà. Bye bye. Ah l'enfoiré. Il a fait 14. On va peut-être pouvoir le tuer. C'est trop loin. My lance pierces all. Piou! Plutôt classe. Oh! Oh mon petit. Oh oui. J'aurais peut-être pas dû trop m'approcher de Bradford. Peut-être une connerie là. J'aurais peut-être soigné ma boule par contre. Je l'ai pas bougé. J'aurais dû la bouger. Ah mon dieu, faut pas qu'elle meure. Je peux même ressusciter l'avatar. Sérieux? Et Screamer. Oh, les dégâts. Normalement, il va esquiver l'attaque, mais est-ce que l'autre, il va se la prendre? Non, ça va. Je suis sous le feu ennemi! Mon escouade était probablement devenue le groupe de tueurs d'extraterrestres le plus dangereux du continent. À l'exception peut-être des faucheurs. Mais je n'avais pas encore rencontré Volk. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas faire régénération. Merde, parce qu'elle est étourdie. Non! Il y a même des gens là, merde! Oh la vache, ok. Reste cool. Oh la vache. On va pas trop bouger. Waouh. Good riddance.
Encore un qui nous a pas vu l'autre. Encore. Sinon, on aurait été mort. Ah. Combien? Plus 9. Waouh. Ça fait mal. Bon, on a peut-être pas besoin de soigner la boule en fait. Oh la vache. J'ai peur de la bouger là. J'ai peur de la bouger. Tout de suite. Affirmativo. Cubriendo. Au revoir. Okay. J'ai finalement compris, après cet affrontement, qu'il était temps pour nous de décider de la suite des événements. Au plus fort des combats, j'ai paniqué un instant en me disant que je risquais de perdre mes nouveaux amis. On allait devoir trouver un autre ennemi à combattre. Comment on recharge? T'as pas besoin de recharger normalement. Il était mort où l'autre? Merde. Elle était là. Le test. I guess that'll be okay. Guardia! Je surveille! Prepare for the watch! Ah! Maintenant on peut se soigner. J'attendais ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un soin... Ça c'est sur tout le monde? Non, on va faire juste un soin normal. Attention médica. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Bon, on a vu qu'il y avait des mecs ici, on va se les faire. Comment par contre c'est okay. Un peu... Merde, j'ai bougé le sniper, chien. Un peu la question. Est-ce que ça va les toucher ceux d'en bas si je tire là? Oui, ça va. Ça s'est pas fait voir.
Ah, c'est un petit zombie. Il a perdu ses cheveux. Il a perdu ses cheveux, le pauvre. S'il bouge, c'est bon. Oh. Et le zombie reste indéfiniment ou il meurt au bout d'un moment, je m'en rappelle plus de ça. Ah, du coup, on peut les attaquer, je pense, sans vraiment, sans gros problème. On va balancer une balise pour voir comment ils sont. Et on va les attaquer. Indéfiniment. Et tu peux le réanimer, ok. Ah, y'a que lui ? Ça m'étonnerait. Mais ça compte comme un soldat? Non, sérieux? Ah, c'est cool ça. Encore un petit bug de XCOM. Toi de jouer, Bouboule. Oh! Ça fait deux... Oh! Bah merde. Bah du coup, je pensais... J'espérais qu'il monte en fait. C'est pas grave. J'ai une idée. Ah non, j'ai l'effet dans le mauvais sens en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas pas me dire que je vais devoir utiliser une grenade. Parce que j'ai fait de la merde. Je crois que je vais devoir utiliser une grenade parce que j'ai fait de la merde. C'est embêtant.
Parce qu'on va pas pouvoir le tuer avec le... avec les tirs de... avec les Overwatch. J'ai l'impression qu'on va être obligé d'utiliser au moins ça. Ah, j'ai mal joué là. J'ai très très mal joué en fait. Est-ce que elle, elle peut traverser les objets jusqu'à là? Non, non, elle va pas avoir assez de déplacement. Ils peuvent voler, hein, eux, non? On est d'accord. Bon, on va voir. Je crois que j'ai un peu merdé. On va voir ce qui se passe. Ouais, ça a pas marché. Raté. Bon, ça va. Pas grave. Non. C'est pas grave, on a les 200 000. Soldats tués. Oh putain. Voilà. En fait, il fallait que j'utilise Faucheur, je crois. Quoique non, en fait. Non, j'ai juste merdé le coup de l'inspiration et tout ça. C'est pas grave. I'm trusting you here. Si tu le dices. Already there. Roger, command. En marcha. En guardia. Quick. Scanning. On continue notre avancée sur le barrage. On va falloir faire gaffe, c'est ce côté là en fait. Bon, on sait jamais, il peut avoir encore des mecs là par contre. No hace falta repetirlo. Hola, güey. Affirmativo. Okay, I'll go. Je reste vigilant. Come get some. Faudrait qu'on mette la... peut-être la snipeuse à droite là dans les tours. On va voir si on peut la mettre. Genre là. Order's confirmed. Moving out. I'm on it. Me ha parecido oír algo. Du monde sur le pont.
Avec la boule, ça nous aide énormément quand même. Hein. Je dois avouer que ça, ça rend la chose beaucoup plus simple. Il y avait une échelle au final, ça sert à rien de faire ça. Good copy. Moving on target. Got it covered. Supongo que está bien. Il y a du monde. De toute façon, je n'allais pas avancer vu que la snipeuse est pas prête. Eh, hey, Bouboule. Zion. Oh merde, attends. Oh, j'ai mal. J'ai bougé dans mon tour et ils étaient tous en... Oh la vache, j'ai fait de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien. Ça aurait pu être pire. Ça a pu être pire. Ferme-toi. Aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ah. Ça se passe moins bien là. On a perdu quelqu'un. Tout ça parce que j'ai merdé. Oh là là, quel con. Vu qu'elle se met pas en vigilance, la boule, pour moi, j'ai pensé que manuellement, j'ai cru que c'était. C'était un tour en fait. C'était notre tour en fait. Non. C'est pas grave. Ah, il peut même contrer ça. Intéressant. Ok. On va se reprendre. J'ai pas envie de perdre la médaille d'or. Ça va toucher l'autre derrière. Ah! C'est chier. Shredded. Ça. Cool.
Alors, le truc, c'est est-ce qu'on va pouvoir le tuer avant qu'il fasse son rayon ou pas? C'est ça la question. D'armure quand même, ça va nous faire chier. C'est le 5 d'armure et c'est ça que je veux baisser. Ouais, il y a aussi Bradford. Ouais. Ok, on est à 12. Comme ça. Là, on peut le tuer avec le sniper, ce qui est bien. Et tu as assassin. Non, elle a loupé. Oh mon dieu, je te déteste. Là, on était bon. On allait tuer l'avatar et tirer sur le sectopode. Ça marche. Non, il s'est pris les dégâts quand même. Ah merde, ah, il est trop loin en fait. C'est la merde. Là, je suis en train de rattraper mes conneries en fait. What is that?
Sérieux, quoi. Ah, il est encore plus loin maintenant et il nous fout dans la merde en plus. Elle le tuera jamais. Catastrophe. Non. Enfin, ça pourrait être pire, mais... On va dire que là, c'est pas... C'est pas simple, tout ça. On va faire ça. This may be painful. I definitely got that one. On va sûrement avoir un autre. Je sors de là. Notre avatar. Bien sûr, je bouge. Voilà. Ouf. Shortcut, come on. Watch out. Je continue à dire que j'aurais dû prendre... j'aurais dû prendre l'autre arme, pas le katana. Back online. Je charge. Je me remets au boulot. On va avancer. Supongo que está bien. Rolling out. On va la mettre dans la deuxième tour. Et on est bon. Reloading. Cover me. Walk in. Vamos, vamos! Scan on cool. We can do affirmative, that. Covering now. Movement, it's close. Ah oh merde, j'ai plus de détecteur. Ils doivent être tout prêts. On va pas faire le grappin. Bah voilà. Oh, y a un portail apparemment après. Encore un avatar évidemment. Oh putain. Catastrophe.
no hay escondite. Ah, toujours la balise, on va devoir utiliser la balise, je pense. Je sais plus s'il peut brûler, lui. Lui, il est organique, donc il peut brûler, je crois. Mais moitié les deux. On va faire un tir de saturation. Merde, c'est le sniper que je voulais mettre en haut. Non, j'ai merdé. Non, c'est pas grave. On utilisera la balise après. Voilà. Donc, est-ce que je me concentre un peu plus? Alors, je peux faire une faille du néant. Ce serait pas mal de faire une lance. Ok, I'll go. Ah. The rift beckons. Voilà. Ça serait joli. Ok, des dégâts en plus. Une rupture. Ok, pas mal, on peut le tuer. On aurait pu faire assassin avec elle et tirer sur et tirer. Je pensais qu'assassin il était encore en rechargement, mais en fait non. Non, on est bon. On va sûrement faire une attaque psychique. Ouais. Je sais plus combien de temps ça reste, rupture. Il
Par contre, pourquoi tu la vois pas? Ah, c'est parce que il y a ça qui bloque. On va le faire bouger. Enfin, j'espère. Si tu le dis. Voilà. Ok, maintenant elle devrait le voir. Parti. Voilà. Tout le monde ne s'en est pas sorti, mais ceux qui ont sacrifié leur vie l'ont fait avec fierté et en gardant la tête haute. Cela a tué deux des conneries, mais il y en a bien un qui est mort. Déjà vu de déjà vu succès déverrouillé. Donc on a eu l'or, c'est ça? L'or, ça? Récompense, nouvelle opération héritage débloqué, cauchemar marin. Arme héritage débloqué aussi pendant une campagne solo. Est-ce que les... Par contre, est-ce que les armes vont se rajouter aux campagnes que je suis déjà en train de faire ou pas? Score total, score de médaille. Bah ça va pour une première fois. Oui. Ah, cool. Yeah. Ah, c'était fun. Au final, ces petites missions. Je pensais que ça allait durer genre une heure, pas plus. Mais en fait, non. Ça dure assez longtemps parce que les missions sont quand même assez compliquées et tout. C'est pas mal. Et après, il y a tout ça à faire à chaque fois. Ok. Ah, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait. On est au max? On dirait qu'on n'est pas au max. Si, on est au max. C'est énorme! Ah, c'est vraiment bien, quoi. Et là, on fait quoi? On fait notre propre... générer une nouvelle opération de résistance. Donc ça, c'est des trucs aléatoires qu'on fait. Ça crée une mission aléatoire. Avant de trouver la gloire sur la radio à la résistance, l'animateur a longuement tenté de mettre place à son propre réseau. Il a aussi bonne édition de mission, collant une série d'émetteurs. Ah, c'est lui qui nous fait chier dans le talion là, avec sa radio de merde. par contre, il faudra beaucoup plus de points pour les prochains, d'accord. 300 000, 260, 250. Difficulté cauchemar. Il n'y a pas de légende, ça n'existe pas, légende, alors. Avec ces... Pour ces trucs-là. Ou alors, il faut tout faire pour débloquer légende. Je me demande si on va garder les mêmes personnes. Non, ok. On recommence à voir. Ah, ça, c'était cool, c'était vraiment cool. C'est vraiment, vraiment bien. On fera ça demain, je pense. Le cauchemar marrant, on le fera demain. Et après, on verra combien de temps ça nous prend. Peut-être qu'on fera le reste. Ouais, on va faire ça, on fera ça. Vraiment cool.